Yahoo Billy Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu, du coup, je te retrouve pour la présentation de Shoujo. Je tiens à préciser que d'habitude, je fais ça avec des mangas qui ont été des flops. Et là, par contre, je tiens à être honnête avec toi, ce ne sont pas des flops, ce sont juste des bofs. Mais je n'ai pas suffisamment lu ces séries et j'ai abandonné les trois en cours de route. Donc du coup, je n'ai pas suffisamment lu ces séries pour te faire une vidéo très détaillé, bien que tu verras quand même que je vais quand même te donner un avis assez argumenté sur pourquoi ou autre j'ai aimé et pas aimé. On va commencer du coup avec le manga Bus for Spring des éditions Soleil dans le genre shoujo. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 12 ans et plus, un manga dans le genre romance et tranche de vie, et nous sommes surtout avec le mangaka Maki Usami, un mangaka que je t'ai déjà présenté il y a très longtemps sur la chaîne, car avec une œuvre que j'ai lu et re-relu et re-re-relu et qui est un méga coup de cœur à mes yeux, mais il me semble aussi qu'elle a été stoppée, à savoir que le mangaka a d'autres œuvres disponibles en France que je vais t'afficher à côté de moi, et sûr, il y en a une que je n'ai pas lue, à savoir que je ne sais pas du tout à l'heure actuelle si je la lirai ou pas, tout simplement parce qu'elle vise un public jeune et j'ai peur d'être trop vieux pour pouvoir lire cette série. Voilà. En ce qui concerne le manga Bus for Spring, en fait, on est sur... certes un manga qui est en 4 tomes, mais sur un chapitre, une histoire. Ça déjà c'est assez particulier, mais je savais avant de l'acheter, donc ça ne me dérangeait pas. Le but en fait, enfin le but, non, le scénario en fait fait que on est à chaque fois dans une aventure de bus, donc les relations, les couples et tout ça se font à travers un bus. Donc ça déjà je trouvais ça plutôt pas mal, plutôt original, j'ai bien aimé. À savoir que par exemple pour le premier volume on a 5 chapitres mais on n'a que 4 histoires. Donc au niveau du développement de l'histoire, ce n'est pas non plus du genre c'est terminé en 20 pages. Non, donc on a déjà un travail, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal parce que franchement un chapitre, une histoire et on a genre une dizaine de chapitres, ça c'est... Ça m'aurait pas plu et j'aurais pas lu du tout et j'aurais pas acheté. Là, 5 chapitres au total, 4 histoires, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé. Donc, du coup, en ce qui concerne mon avis sur les chapitres qu'il y a eu dans ce manga, ce qui était un petit peu dommage en fait, c'est que sur les 4 histoires, il y en a 2 qui ont été des méga coups de cœur et 2 qui ont été des flops. Donc déjà ça me motivait pas trop à continuer la série, mais j'ai quand même voulu continuer. Il y a du coup le tome 2, donc je vais te montrer d'abord les illustrations de jaquette, comme ça tu pourras voir. Hop, à chaque fois à l'arrière on a juste un couple. Voilà, c'est présenté toujours de la même façon. Voilà, pour l'arrière du dernier tome. Hop. Donc du coup en ce qui concerne le tome 2, on va être sur 5 chapitres et 5 histoires différentes. Là où j'étais un petit peu déçue en fait en lisant le tome 2, c'est que j'espérais un petit peu qu'on allait être comme un Yuri que j'avais lu, où en fait chaque chapitre on suivait un couple, mais au final on se rendait compte que les couples avaient se connaissaient, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Là en fait je pensais que très clairement qu'on allait retrouver nos 4 couples du tome 1 et qu'on allait peut-être les voir évoluer dans un tome 2. Ce qui permettait en fait qu'on avait certes 4 volumes mais que chaque œuvre aurait pris la valeur d'un seul tome et ça aurait été plutôt intéressant. Mais ce n'était pas le cas et donc du coup on continuait avec une nouvelle histoire. Donc voilà. Alors honnêtement l'histoire numéro 1 ça a été un méga coup de cœur. Et j'ai vraiment adoré parce que c'est tout simplement, ça parle de mort. Ouais, c'est très gay. Mais justement, j'ai adoré ça parce que ça te fait réaliser que bah, des fois, il y a des petits trucs comme ça qu'on... Et bah, une fois que la personne est morte, on se rend compte que mince, je l'ai laissé partir sans lui dire ceci, sans lui dire cela. Et donc du coup, ça permet de réaliser que la vie est courte et que du coup, bah, il vaut mieux tout simplement faire attention et ne pas... jamais avoir de regrets dans la vie. Donc voilà. En ce qui concerne du coup le chapitre 2, je suis retombée une fois de plus sur un flop. Donc en fait c'est tout simplement le chapitre 2 qui m'a fait complètement décrocher la série. J'avais pas envie d'être dans un yo-yo émotionnel en me disant oh je surkiffe ce chapitre, j'ai adoré ces histoires, oh je déteste, oh j'adore, oh je déteste. Donc ça c'était pas fait pour moi, donc du coup j'ai tout simplement abandonné. Donc voilà la couverture du tome 2. Je ne vous ai pas montré les dernières couvertures, le tome 3 et le tome 4. J'adore la couverture du tome 3 parce qu'on pourrait se dire peut-être que ça va être un volume entièrement sur l'hiver, mais j'en sais rien du tout honnêtement parce que j'ai même pas cherché. Je vais montrer quand même un petit dessin des autres couples. Tu vois,
un petit peu au niveau des coups de crayon. Les personnages ne sont pas trop ressemblants entre chaque volume. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est des fois, comme par exemple Saki et Kawa, où tous ces personnages te ressemblent. Et une fois, tu sais plus trop où tu en es. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc c'est tout en ce qui concerne ce manga et je te laisse du coup avec la suite. Dans cette partie du coup je vais te parler du manga Nibun no Ichi, un manga du coup en 3 tomes des éditions Taifu. Alors là je connais par cœur, c'est pour ça que je vais te le dire, sinon ça aurait été affiché à côté de moi. Donc on est avec le manga Kakiki. Il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose d'autre, sinon je te l'afficherai. En ce qui concerne du coup le manga, nous sommes sur un manga en 3 tomes, en genre comédie et fantastique. La série date quand même du coup, vu que c'est un Taifu, mais c'est un Josei, enfin il est classé Josei par Taifu, mais c'est un shoujo si je ne me trompe pas. Donc il date de 2006 au Japon et de 2008 en France. Et en ce qui concerne l'âge conseillé, il est âge conseillé aux 14 ans et plus. Voilà, donc je vais quand même te parler vite fait de la qualité des couvertures, je te montrerai ça. Comme ça tu verras en même temps et après je te parlerai du coup du manga. Alors, fille, garçon, je tiens à le préciser au cas où, voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est ça. En fait, tout simplement, le résumé c'est le même pour les 3 volumes. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Et on a vachement de différence. On a juste le poussin. On le retrouve dans le manga. C'est pas un poussin mis comme ça. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc quand on enlève la jaquette, on va se retrouver toujours avec la même chose. Mais en ton, je dirais jaune-or. Enfin, un mélange entre les deux couleurs. Voilà. Quand on ouvre le manga, on a droit quand même à une page en couleur. Qui est plutôt mignonne. Voilà. On continue du coup avec notre... troisième protagoniste clé du coup par rapport à la série et son poussin. Et on commence comme ceci. Alors j'adore l'illustration ici, même si je n'aime pas trop le fait que la fille ait la frange relevée. J'aurais aimé qu'elle soit quand même posée sur son front, ça aurait été plus joli. Et on commence directement le manga. En ce qui concerne du coup le tome... tome 2 d'abord, ça serait plus logique. Voilà, le tome 2, donc c'est le garçon... c'est pas le même garçon que tout à l'heure, j'avais envie de dire ça mais non. Du coup le brun, donc c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Cette fois-ci du coup on n'a pas de page en couleur, on commence directement avec un dessin en noir et blanc et on continue comme ceci. Voilà, pour ce qui est du coup du tome 3, le voici. Donc toujours avec notre, on va dire, poussin à l'arrière. Une image cette fois-ci en couleur, ce qui est surprenant, mais bon, là on passe d'un coup, il n'y a pas de couleur en papier glacé, un coup il y en a. Et donc avant de commencer à te donner mon avis sur la qualité du dessin, je tenais à faire une petite parenthèse quand même qui est très importante, à savoir que le manga Nibun no Ichi est donc un shoujo qui m'intéresse depuis sa sortie en France. Alors là tu te dis pourquoi il pire en 2008, tu ne l'as pas acheté alors qu'en fait en 2008 j'avais un petit peu commencé les mangas après j'ai fait une pause de quelques années et j'ai repris au niveau de ma chaîne quasiment. Tout simplement ça ne s'est pas fait, à l'époque je crois que je m'étais dit plus tard, j'avais d'autres titres en particulier en tête, en priorité que je voulais absolument lire, et Nibun no Ichi était dans ma wishlist mais n'était pas dans ma liste de priorités. Donc forcément j'ai laissé d'abord mes priorités se faire, puis après j'ai fait ma pause de manga qui n'était pas volontaire, je tiens à le préciser. Et du coup après quand j'ai repris les mangas, j'ai essayé de le choper, sauf que c'était déjà l'époque où il était stoppé si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en ce qui concerne du coup la qualité du dessin, la voici. Donc je te dirais tout simplement que déjà quand je voyais la qualité des couvertures, je savais très bien à quelle qualité de dessin m'attendre à l'intérieur, donc je n'étais pas surpris. En ce qui concerne la qualité de dessin, je la trouve quand même plutôt intéressante et pas si dégueulasse que ça. Donc déjà c'est un gros avantage. En ce qui concerne le manga, j'ai adoré le principe, bien que assez particulier. C'était pas mal d'avoir un shoujo en fait très changeant au niveau du thème de base, parce que en fait on avait cette histoire de frères-sœurs très unique où il y a du coup le problème d'eux, ils sont pas tout le temps ensemble, ils peuvent pas être ensemble, etc. Donc je trouvais ça très intéressant comme manga. Malheureusement en fait j'ai très vite décroché parce que il me manquait un petit quelque chose en fait pour que ça passe mieux. Je pense aussi que peut-être que, soyons honnêtes, je pense qu'en animé j'aurais un petit peu plus accroché à la série en restant vraiment sur exactement ce que j'ai lu, pas en ayant des modifications comme tous les animés. Mais je pense quand même que j'aurais plus apprécié et plus accroché à la série en version animée, tout simplement parce que
Il y a eu un petit quelque chose en plus qu'en fait on ne peut pas avoir avec le manga, je pense. Voilà. Alors je te dirais honnêtement, j'ai décroché où? Ah, j'ai retrouvé ma page. J'ai décroché quand même page 90. Donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai lu du coup uniquement le premier tome, je tiens à le préciser. Mais du coup je n'ai lu que le premier tome et je suis arrêtée à la page 90. Mais j'ai eu aussi l'impression que, je sais pas, peut-être que le dieu du manga, alors là, on va me prendre encore pour un fou, mais j'ai eu l'impression que le dieu du manga n'avait pas envie que je le lise parce que c'était une journée où il y a toujours un truc qui t'empêche en fait de lire. Je crois que tu dois connaître quand même ce genre de journée où tu te poses à un endroit dans ta... moi c'est à sa manger où je lis. Tu te poses dans ton fauteuil et t'as toujours quelqu'un pour venir te déranger pile à ce moment-là où t'es en train de lire un livre qui t'intéressait. Mais voilà, donc j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à être plus attirée aussi dans la série parce que malgré qu'il y ait du coup ces problèmes extérieurs à ma lecture, même déjà dans les premières pages que j'avais réussi à lire sans être interrompue, donc c'est-à-dire une vingtaine, je n'étais pas envoûtée comme j'aurais dû l'être. Donc voilà, tout simplement. Mon petit pancha, je te retrouve du coup à la suite. Hein. C'est vraiment la 2 secondes après quasiment d'avoir filmé le manga Nippon no Ichi. N'oublie pas aussi que dans la barre d'infos, je vais essayer de m'y recoller du coup cette année parce que je sais que ça vous intéressait pour pas mal. Je renoterai du coup à chaque fois mes accessoires que je porte sur moi, d'où ça vient. Donc par exemple là, la couronne, le rouge à lèvres, si j'ai des bagues, etc. D'où ça vient, le haut, qu'on aperçoit quelque chose parce que là... Je sais pas si ça peut te donner envie vraiment de l'acheter. Voilà, sinon je te marquerai tout ça aussi en barre d'infos en dessous du résumé. Je pense que je vais rester en dessous du résumé parce que le résumé est plus important que ma tenue. Voilà. Et pour mes couleurs de cheveux, je pense que je vous le noterai aussi les couleurs, les teintes et tout ça que j'ai utilisé, la marque. D'ailleurs, en ce qui concerne la marque, sachez que vous avez normalement, si je ne me trompe pas, dans toutes les barres d'infos de toutes mes chaînes, un code promo. Voilà, je dis ça, j'ai rien parce que le site, en fait, on pouvait. N'importe qui peut créer un code promo et voilà. Bref, cette fois-ci, du coup, je vais te parler de Sugar Solider. Donc, j'ai que les 2 premiers tomes et j'ai décroché, en fait, au tome 1 vers la page. Alors que je te dis pas de bêtises parce que je venais juste de passer un chapitre, donc ça va être sympa à retrouver. Donc, le chapitre 3 était page 87, j'ai dû aller jusqu'à page 95, en gros. Ah, j'étais presque à finir le bouquin quand même. Donc, Sugar Solider, j'adorais en fait le résumé tout simplement parce que, alors les informations et tout ça, ce sera autour de moi parce que je ne connais rien par cœur, à part ces 12 puces, je crois. Mais toujours est-il que, en fait, le manga m'a intéressée à cause de son résumé qui était tout simplement très intéressant à mes yeux. Parce qu'on allait parler d'une jeune fille du coup qui était en mode infériorité par rapport à se sentir inférieure à sa sœur et les gens lui faisaient ressentir parce que sa sœur est super belle et surtout c'est un mannequin. Et donc ça faisait un petit peu penser à un des shoujo de Saiki Aikawa. On est comme ça sur un complexe par rapport à la grande sœur. Donc je m'étais dit, tiens, en plus c'est un manga en 10 tomes si je dis pas de bêtises. Donc ça va permettre quand même de bien développer le scénario et de peut-être développer plus de façon plus intéressante en fait le scénario que le manga de Saiki Aikawa. Parce que celui de Saiki Aikawa, il devait être en 2 tomes, 3 tomes, tu vois, un truc comme ça. Donc vraiment trop petit pour vraiment être travaillé. Là, je m'étais dit, ça va être génial parce que voilà, ça, on va pouvoir développer quand même un peu plus. Le truc qui a fait que je n'ai pas accroché, je te dirais que je n'en sais rien. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez mignonné, peut-être un peu trop choupinou. Donc justement, peut-être que ça, c'est un des shoujo justement qui vise l'âge réel. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai passé cet âge depuis quelques temps maintenant. Donc du coup, je ne me sens pas trop visée. Et honnêtement, je ne ressentais rien. C'est-à-dire que j'avais beau avoir passé du coup 90 pages, je ne ressentais pas en fait l'envie de finir le manga. Il y a certains volumes, même certains mangas, où même si c'est un flop par exemple sur le deuxième tome, j'ai eu quand même pendant le volume 1 l'envie de le lire, l'envie de le finir, etc. Là, je n'ai absolument rien ressenti en ce qui concerne ce manga. Par contre, je dois t'avouer qu'en ce qui concerne la qualité de dessin que tu auras dû voir à côté de moi, c'est vrai que la qualité de dessin est quand même plutôt badass, donc ça déjà c'était un gros point fort. On va donc parler cette fois-ci du manga Mariage Mode d'Emploi, un manga du coup des éditions Soleil dans le genre. Officiellement shoujo, mais c'est plus un josei au niveau du thème. Nous sommes donc sur un manga qui est terminé en 3 tomes
Et du coup, voilà, en ce qui concerne les informations, de toute façon, je t'aurais mis à côté tous les autres détails. À savoir, du coup, pourquoi j'ai été tentée par ce titre. Déjà parce que, honnêtement, au niveau du prix, il était chez Gilbert Joseph, donc je l'ai eu en occasion. Donc c'est vrai, ça m'a un petit peu motivée, mais à savoir qu'il faisait quand même partie de ma wishlist. Mais le fait que j'ai acheté, c'était ce moment-là, c'était parce que je l'avais à Gilbert Joseph. Voilà. Bref, toujours est-il, pourquoi en fait j'ai eu envie de lire ce titre? Déjà parce que c'était un josei et je m'intéresse pas mal aux josei. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en France, ils sont souvent cachés parce qu'en fait au final ils sont marqués shoujo, comme Happy Mariage et Ma Petite Maîtresse et tout ça, tout ça. Mais toujours est-il que j'avais quand même envie de tester. Malgré le fait, à savoir du coup, je pense que je l'ai dit pendant l'intro, que je suis personnellement pas du tout, du tout, du tout dans le délire du mariage. Je ne me vois absolument pas me mettre en couple, en tout cas pas pour l'instant, en tout cas pas pour les 3 prochaines années, ça c'est clair et net. Mais je ne me vois pas du tout me mettre en couple et encore moins me marier. Ce n'est absolument pas dans mon délire. Tout l'univers du mariage, etc. D'extérieur, ça me va, mais personnellement, participer à ça, non. C'est-à-dire que je veux bien participer en tant que photographe. Aider pour gérer les cartes d'invitation, les ci, les là, tout ce que tu veux, ça ouais. Mais moi-même, me marier, la cérémonie, tout ce qui est en rapport avec le mariage, ça me passe largement au-dessus et ce n'est vraiment pas dans mes objectifs de vie. Voilà. Et j'ai quand même eu envie parce que je me suis dit, ça peut être fun, ça peut être sympa, ça peut quand même me plaire. C'est-à-dire que, malgré le fait que je n'aime pas les enfants, j'essaie quand même de faire des efforts avec mon neveu et d'essayer de m'y intéresser, même si c'est très compliqué et que c'est plus du forçage plutôt qu'autre chose que de la réalité. Mais voilà, et j'essaye aussi de m'intéresser à l'univers du bébé. Donc, c'est-à-dire apprendre des choses pour la sécurité de l'enfant, savoir que, ben voilà, par exemple, les écrans, c'est bon à partir d'un certain âge, que si c'est mieux de faire ça, etc. pour le bien-être, la santé, etc. du bébé, alors que bah, c'est pareil, les bébés c'est encore moins. Déjà, si j'arrive à me marier, ça sera un espoir, mais alors les enfants c'est. No way. Non, non, non et non. Donc voilà. Mais voilà, le résumé donnait quand même un petit peu envie parce que du coup on va suivre 3 filles. Donc en fait, alors on suit un chapitre quasiment et on suit les 3 filles. À chaque chapitre on suit une fille, puis on les retrouve souvent aussi. Vu qu'elles se sont retrouvées autour d'une table en train de discuter de ce qui s'est passé depuis la dernière fois et donc en gros de se plaindre. Et ça déjà j'ai pas trop aimé parce que ça faisait très cliché de la fille du coup qui retrouve ses copines pour se plaindre et rien d'autre. Parce qu'à chaque fois dans la partie que j'ai lue, on était tout le temps autour d'un verre au bar, etc. ou au resto. Et je trouvais ça tellement déjà cliché ça que ça m'a gonflé. Et après, on était vraiment dans cet univers de je veux absolument me marier, j'ai 30 ans, ça y est, j'ai passé l'âge, je commence à être passé d'âge et donc du coup d'être périmée. Et moi, ça, voilà, ça ne va pas me toucher, je ne vais pas me considérer, me dire, ah oui, mais c'est vrai que moi aussi, quand je vais avoir 30 ans, va peut-être falloir que j'envisage de me marier, de me caser, parce que sinon après, voilà, je vais être un produit périmé, je m'en contrebalance. Mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, on était aussi avec des personnages, je suis en train de relire l'arrière, avec des personnages avec déjà des métiers complètement différents, et on va aussi avoir 3 personnalités complètement opposées. C'est-à-dire qu'on a un mannequin, une assistante dentaire et une entrepreneuse, mais on va voir autant la fille qui est en couple depuis 6 ans avec le même gars, mais il se passe rien, il est mou du genou. Et elle a beau lui faire des allusions par rapport au mariage, il capte rien. Et au final, ça on le voit dès les premières pages parce que je me suis vraiment pas arrêtée loin, elle va se faire plaquer par le mec. Donc du coup, elle a 30 ans et finalement, elle se retrouve célibataire alors que ça faisait 6 ans qu'elle était avec un mec. On va avoir celle qui est trop froide. Et donc du coup, les gars de son entreprise s'approchent pas trop parce qu'elle paraît froide et ben voilà, hein, du genre de nana qui t'a pas envie vraiment de t'approcher. Et autant tu vas avoir la fille qui va sauter tout ce qui bouge. Donc du coup elle est instable relationnellement. Donc forcément déjà elle aussi c'est un petit peu foutu. Donc ça en soi l'idée était plutôt pas mal. Mais on était tellement assez sur cette histoire de mariage de c'était vraiment leur occupation phare. Elles ne pensaient qu'à ça. Là c'était à ne respirer plus que de mariage. Le mariage, elles ont 30 ans, ça y est, elles sont périmées, nanana. Elles sont au point de se périmer. Que ben voilà. Alors après, je t'avoue que si j'étais dans l'optique de me marier, si j'étais dans tout ce délire, si ça m'intéressait de me dire oui, peut-être un jour, pourquoi pas, je me marierai, j'aurai des enfants, gna gna gna.
Ouais, j'aurais aimé cette série, mais étant donné que je suis complètement hermétique à ce sujet, ça ne pourrait pas passer avec moi. Mais moi, personnellement, je te dirais quand même que malgré le fait que moi, je n'ai pas aimé, parce que, voilà, je suis hermétique aux histoires de mariage, à l'amour et tout ça, que toi, qui as peut-être envie d'être en couple, qui a envie de se marier et tout ça, tu ne vas pas l'aimer. Là, la différence. Ce que j'ai adoré aussi au niveau de l'illustration, du coup, c'est qu'on va voir une de nos filles. Je crois que chaque volume, on a une fille, une des trois filles, à vérifier. Donc là, on a le mariage, quel goût ça a, et donc elle est en train de manger un gâteau. Ce que j'adore, du coup, c'est le petit détail ici, écriture en or avec le petit logo, et surtout le petit détail qui change tout. Le 1, il n'est pas entouré juste, c'est une bague. On a le dessin en fait d'une bague et ça j'ai trouvé ça juste trop beau. Donc après on est aussi sur des détails or sur le dos du volume. Et à l'arrière pareil, on a la petite bordure, le flash code qui est en or aussi. Et le résumé qui est plutôt bien fait parce que là du coup c'est marqué job mannequin assistante dentaire entrepreneuse, âge plus de 30 ans, aucun projet de mariage, nom et les noms des personnages. Et après un petit résumé. Donc ça déjà la forme, l'apparence. Au niveau des couvertures, j'adore. Qu'on enlève, on a cette image-là. Voilà. Et en ce qui concerne du coup l'intérieur du manga, je vais vite fait quand même te montrer. Donc on commence comme ceci. Et on a ça. Et de toute façon, au niveau de la qualité du dessin, je t'aurais déjà montré un petit peu. J'essaie de te montrer quand même un peu plus loin que ce que j'ai lu, pour que tu puisses voir d'autres personnages que je n'ai pas vus. Ah, il a l'air sympa ce perso. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur quand même que cette vidéo flop t'aura plu. N'hésite pas du coup à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. N'hésite pas du coup à me dire quels sont tes derniers flops au niveau lecture, que ce soit shoujo ou non shoujo. Et je te retrouve du coup très rapidement pour une nouvelle vidéo. A bientôt!